Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter un peu au niveau du lavandin, des lavandes d'ornement. Et ici, nous sommes le 9 août et c'est le moment de les tailler. Ici, les fleurs, c'est terminé. On peut éventuellement récupérer tous les sommets des fleurs pour la récolte du lavandin. Et je voudrais vous faire voir le taillage des lavandes. Le taillage des lavandes, on supprime presque tout ce qui est vert, car c'est très important d'aller juste un peu avant le bois, car si vous allez trop fort dans le bois, eh bien l'année prochaine, ça ne reprendra pas. Donc, je fais une pré-coupe et ensuite après je vous présenterai comment qu'est-ce qui se passe si jamais on oublie de tailler ses lavandes. Voilà, donc j'avance un peu dans le travail. Et je vous ferai voir un peu que ça donne au niveau de la taille. Je vais toujours tailler sur une petite dimension et vous faire voir ce que ça donne. Voilà, je pense arriver à peu près à la bonne dimension au niveau de la taille. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de... C'est pas trop fignolé, mais c'est pour vous faire voir un petit peu à quel endroit il faut s'arrêter. Hein. Voilà, le plus important au niveau de la taille, c'est d'arrêter. Il faut qu'il y ait quelques points de départ à chaque fois. Voilà, vous voyez, à chaque fois il y a quelques départs, parce que si vous mordez trop dans le bois, c'est-à-dire si vous taillez très très fort dans le bois jusque là, là la lavande va mourir. Très très important d'arrêter un petit peu avant. Laisser quelques centimètres, de l'ordre de 5 cm, pour que la lavande puisse se reconstituer l'année prochaine. Et maintenant, nous allons aller voir une lavande qui a été oubliée. Et qu'est-ce qui va se passer? Et ça va devenir, bien sûr, très moche. Alors, voilà l'effet produit d'une lavande qui a été un petit peu oubliée. C'est-à-dire que un peu à la fois, elle s'écarte et elle tombe sur le sol et on voit l'apparition de bois là, et ensuite ça va être de pire en pire, elle va s'écraser de plus en plus sur le sol et on va voir apparaître le bois et des trous. Là on peut bien sûr encore la rattraper, mais bien sûr si jamais je taille ici, là ça va quasiment mourir, c'est sûr. Donc je serai obligé de tailler jusque là, hein, les derniers points de départ. La taille verte. Donc très important de tailler à août-septembre, une fois que la floraison est terminée. Vous récupérez le haut si vous voulez pour la senteur là, dans les draps. Mais de veiller à l'automne ou fin d'été à tailler vos lavandes pour éviter cet effet que la lavande s'écrase sur le sol et ensuite après ça devient vraiment assez nul, hein. Voilà. Avis personnel, merci. Oh là.